contamos con la presencia de Isabel Dogariel, que es doctora en Derecho Privado y directora de investigación del CNRS, Centro de Derecho Comparado de Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Burdeos. Durante estos últimos años ha estado centrado, entre otros temas, en el tema de los extranjeros, en la dimensión social y económica de la globalización y en la implementación de las 35 horas semanales. Ha dirigido un número especial de la revista Boletín del Trabajo y Seguridad Social de Burdeos en 1996, que versaba sobre la dimensión social de la globalización de la economía. En 1998 organizó una conferencia internacional sobre la economía de la globalización en Burdeos y fue llamada por las Naciones Unidas como experta en la 26 sesión del Comité de Economía y Derechos Sociales. Actualmente dirige un proyecto sobre la mundialización, trabajo y derechos fundamentales y también posee una larga serie de artículos y trabajos publicados sobre estos y otros temas. El título de su primera intervención será El fenómeno de la inmigración actual en Europa, su impacto democrático, demográfico, social y económico, y posteriormente ya tratará ya el tema de la política, situación a debate en la Unión Europea sobre la coordinación de políticas de inmigración. Muy bien, Isabel. Merci beaucoup. Je vous remercie infiniment de m'avoir invité à participer à cette conférence. ¿Ça marche? Pues a ver el canal. Preguntamos. Hoy voy a darle el plan de mi intervención, de la primera intervención. Quería plantear aquí primero un panorama general de la cuestión migratoria para entender cuáles son los problemas en Europa. Para eso voy a dar una introducción que va a comprender una dimensión histórica de la construcción del campo migratorio en Europa. Está muy importante conocer eso porque se puede entender las dificultades actuales para encontrar soluciones a los problemas y problemas de la migración económica, por ejemplo. Porque vamos a ver una gran heterogeneidad entre los países miembros de Europa. En una segunda etapa voy a hacer un balance de la presencia de los migrantes dentro de la población en general y dentro de la población activa en algunos países de la Unión Europea, a partir de estadísticas que ya conocéis, que son las estadísticas de la OCDE. Y así pienso que podríamos entender la segunda conferencia sobre la dimensión económica de la migración, que es ahora un gran debate en Europa. Hay que saber, según estimaciones de la ONU, que más o menos 165 millones de personas viven fuera de su país de origen. Esta cifra no está una cifra exacta, porque esta cifra toma en cuenta solamente la gente fuera de los países de su país de origen, pero fuera desde al menos un año. Y esta cifra es una cifra de stock, no analiza los movimientos, los flujos. Es decir que hoy, en porcentaje, solamente 3% de la población mundial está fuera de su país. Eso para relativizar el fenómeno de la migración. Y para eso voy a emplear una fórmula de un autor francés para decir que la planeta nómada no existe. Porque
el hombre tiene racinas y racinas, raíces, y el capital no. Entonces puedo seguir en francés ahora. Sí. Primero que nos funcione. Alors, j'y vais. Préalablement à la description de la construction du champ migratoire européen, je voudrais rappeler... Ça ne va pas encore ? Je voudrais rappeler les motifs qui président au départ de son pays d'origine. Et rappeler... une formule d'un auteur grec selon laquelle il n'existe pas de plus grande douleur au monde que la perte de sa terre natale. Et je crois qu'il faut se rappeler, toujours se rappeler, que l'exil est une épreuve. Depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, la question migratoire ne cesse de tarauder les gouvernants et ne cesse de tarauder les sociétés d'accueil qui sont prises dans cette tension entre l'hospitalité et l'hostilité. N'oublions pas que c'est une même racine commune, latine, qui relie ces deux termes, hospes, hostis. Et donc la question migratoire est toujours remise sur le métier. C'est une question d'une permanente actualité et d'une rare universalité. Aujourd'hui, c'est une question qui mobilise l'ensemble des acteurs de la société, l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Pour aborder cette question, il faut avoir conscience de la complexité des éléments qui la constituent. Et pour cela, je crois qu'il faut rappeler que les migrations ont un caractère multifactoriel. Les migrants, en effet, viennent chercher ce que, dans leur pays, ils ne peuvent pas espérer avoir un jour. Ainsi, les étudiants recherchent une meilleure formation, une meilleure reconnaissance des diplômes. Les travailleurs recherchent un emploi ou un revenu plus élevé. Les professionnels hautement qualifiés recherchent des meilleures conditions d'exercice de leur métier et une carrière professionnelle plus ouverte. À ces projections personnelles, il faut ajouter les projections des réseaux, réseaux de migrants, réseaux de familles, réseaux de communautés, réseaux ethniques, qui nourrissent le mythe, alimentent l'idée et permettent la réalisation matérielle de la migration. Il existe en effet une organisation économique et sociale de la migration. Cette organisation a été officielle et légale ou illégale. Par les migrations, les communautés d'origine espèrent des retours, et en particulier des retours financiers. Les études les plus récentes montrent que les fonds envoyés par les émigrés dans leur pays d'origine, constituent la deuxième source de financement externe des pays en développement. Le montant est très supérieur aux flux financiers publics et aux flux privés. Il représente 42% du total des flux financiers d'investissement étrangers directs. En règle générale, ces fonds sont supérieurs au montant de l'aide publique international au développement. Mais la description des besoins d'émigrés ne serait pas complète si n'étaient pas évoqués les besoins des pays d'immigration. Les pays d'immigration ont besoin de main-d'œuvre qualifiée ou non. Ils ont besoin de peuplement parce qu'ils sont en déficit démographique.
Ces besoins sont au cœur des débats qui traversent toute l'Union européenne aujourd'hui. Donc, la décision de migrer n'est pas une décision seulement individuelle, et ce n'est pas non plus une décision qui a une dimension individuelle, et ce n'est pas non plus une décision qui a une dimension unilatérale. Et c'est parce que, donc, c'est à la fois une décision collective ayant une dimension régionale que cette question est appréhendée aujourd'hui par l'Union européenne. Voyons un petit peu comment s'est constitué maintenant le champ migratoire européen d'un point de vue historique. N'oublions pas que le XIXe siècle a été le siècle des grandes migrations plus que le XXe siècle. Il faut savoir que la globalisation de l'économie aujourd'hui, qui prospère sur l'ouverture des frontières pour les échanges économiques, est une globalisation qui se fait sans ouverture des frontières pour les travailleurs et pour les personnes. Et il y a là une tension et une contradiction forte entre la libéralisation des échanges économiques et en même temps la fermeture des frontières aux migrations. C'est-à-dire qu'il y a une libre circulation des capitaux, des entreprises, mais pas de libre circulation des personnes. La libre circulation des personnes étant une question qui est seulement abordée dans certains milieux académiques. Le droit de quitter son pays est un droit fondamental de l'être humain. Ce droit est devenu une réalité dans tous les pays, excepté trois pays, la Chine, Cuba et la Corée du Nord. À l'inverse, entrer et séjourner dans d'autres pays que le sien n'est qu'une faculté laissée à la libre disposition des États d'accueil. Que constate-t-on aujourd'hui ? Aujourd'hui, on constate que les migrations continuent d'être des migrations de proximité. Proximité géographique, proximité culturelle. En d'autres termes, la grande masse des mouvements ne concerne que des pays voisins. Et donc ça, c'est un constat qui continue d'être mis en exergue par les statistiques de l'OCDE. Mais on dénote depuis trois décennies, une diversification des destinations. Et donc nous avons aujourd'hui en réalité deux caractéristiques au mouvement migratoire. D'une part, une caractéristique traditionnelle, le migrant va au plus près de chez lui, et en même temps, des migrants diversifient les destinations, c'est-à-dire vont dans des pays où habituellement leur village, leur groupe, leur nationalité ne vont pas. Ainsi, selon l'OCDE, un nombre croissant d'immigrants d'origine d'Asie arrive en Europe et de plus en plus de ressortissants africains, mais également de pays d'Amérique centrale ou latine, choisissent d'émigrer vers d'autres pays comme l'Australie, les États-Unis ou le Canada. Des pays dans lesquels ils étaient faiblement représentés. L'Europe occidentale, région historique d'immigration, continue d'être un pôle d'attraction pour les migrants aujourd'hui. Mais les candidats à la migration, face aux difficultés d'entrer sur certains territoires de l'Union européenne, ou pour des raisons tenant à leur histoire collective, sont amenés à choisir d'autres destinations constitutives de nouveaux pôles, ou à adopter des parcours plus complexes dans l'espace et dans le temps. Néanmoins, l'Europe occidentale est un des grands systèmes migratoires le plus important après l'Amérique du Nord. Elle représente
la seconde zone d'attraction en termes d'emploi des migrants, après les États-Unis. Toutes les formes d'immigration sont représentées dans cette Europe. Migration économique ou de travail, migration familiale avec le regroupement familial, migration politique pour des raisons humanitaires ou politiques. C'est donc l'Union européenne et la région qui connaît la plus grande diversité des expériences migratoires, pour au moins deux raisons. D'abord, chaque État membre de l'Union européenne véhicule sa propre représentation des migrations et de l'étranger et a sa propre conception juridique, économique et sociologique de l'intégration de l'étranger. Les conditions d'accès à la nationalité en France, en Grande-Bretagne ou en Allemagne sont radicalement différentes. Entre le sujet britannique, le citoyen français qui tire son statut du droit du sol et le citoyen allemand qui revendiquait encore très récemment le jus sanguini, ce sont évidemment des écarts considérables qui existent, des écarts qui pèsent lourd aujourd'hui pour élaborer des politiques communes européennes en matière de migration. D'autre part, les flux migratoires n'ont pas touché les États membres de l'Union européenne avec la même intensité et à la même période. D'un point de vue chronologique, c'est d'abord la France qui a été le pays d'attraction, d'immigration le plus important au monde, et ceci jusqu'en 1930. On parlait de l'exception française, puisque la France accueillait plus d'étrangers que les États-Unis jusque en 1930. Dans une deuxième période, qui est la période de l'après-Seconde Guerre, qui est la période des Trente Glorieuses, donc de 1945 jusqu'à 1975, les migrations dans l'Union européenne sont marquées par deux éléments. D'abord, le mouvement migratoire continue d'aller des pays du Sud vers ceux du Nord. Ceux du Nord parce que beaucoup plus développés économiquement et capables d'attirer de la main-d'œuvre. Deuxième élément, c'est durant cette période, et seulement durant cette période, que les États vont s'emparer de la question migratoire. C'est-à-dire que c'est à partir seulement de la Deuxième Guerre mondiale que la politique migratoire va devenir une politique publique, puisque jusqu'alors, c'était une gestion uniquement privée par les employeurs ou les entreprises que s'effectuait la migration. Et donc, après la Seconde Guerre, les migrants viennent des pays périphériques de l'Europe du Sud, puis ultérieurement de l'Afrique, pour aller vers des pays dits centraux, que sont la France, l'Angleterre et l'Allemagne dans un premier temps. Puis, ce cercle, ce petit cercle des pays d'accueil va s'élargir à partir des années 50 et 60 à d'autres pays, à savoir la Belgique, les Pays-Bas et la Suisse et le Luxembourg. Dans le choix des destinations possibles, ce qui joue d'abord, c'est la proximité géographique. Ainsi, les Irlandais vont plutôt aller en Grande-Bretagne, les Italiens et les Espagnols iront plutôt en France, les Finlandais iront plutôt vers la Suède. Des années 50 à 70, le mouvement migratoire est principalement intra-européen et orienté sud-nord. Le mouvement est-ouest, c'est-à-dire Europe centrale et orientale vers Europe de l'Ouest, ayant été stoppé à partir des années 50 par la fermeture des frontières des pays passés sous influence soviétique. Puis, à la fin des années 60, la migration du Sud va s'élargir à l'Afrique. Et là, c'est l'histoire coloniale et postcoloniale qui va dicter les destinations des migrants. Les Marocains et les Algériens vont se diriger vers la France, les Pakistanais et les Sri Lankais iront vers la Grande-Bretagne,
l'Allemagne, qui ne disposait pas de colonies, fera un choix contractuel, c'est-à-dire conclura dès la fin des années 60 un accord de coopération avec la Turquie, qui sera le pays quasi, exclusivement quasi bénéficiaire de la migration vers l'Allemagne. Et donc, deuxième élément, deuxième caractéristique, durant cette période, les États membres vont s'emparer de la question migratoire et vont définir les conditions d'entrée et de séjour des migrants sur leur territoire. Dans ces pays d'accueil et dans ces années-là, on n'imagine pas que l'immigré puisse s'installer. En Allemagne et en Suisse, l'immigré reste et doit rester définitivement une personne de passage. Dans la langue allemande, le travailleur immigré, alors je vous fais grâce de mon allemand, mais Gastarbeiter, ça veut dire littéralement travailleur invité. C'est-à-dire que c'est un travailleur turc, bien sûr, doté d'un contrat, censé repartir chez lui à l'issue du contrat. Dans d'autres pays, si l'installation n'est pas complètement intégrée dans les politiques publiques, il n'empêche qu'on se fait à l'idée d'une durée de séjour plus longue. Mais en même temps, on estime que ce séjour ne sera pas pérenne. Et c'est pourquoi en France, par exemple, pour héberger ces travailleurs migrants, on propose, du point de vue du logement, des foyers, les fameux foyers Sonacotra, qui sont des logements exigus, précaires, et destinés à accueillir, au fond, une population de passage, un passage plus ou moins court, mais une population de passage. Alors, vous imaginez bien que l'entrée en crise dans ces pays, à partir des années 75, va radicalement modifier la conception de la migration. Cette modification va avoir des effets sur les migrants eux-mêmes. En effet, ces pays, affectés par une crise économique qui va se prolonger dans le temps et dont nous connaissons encore les effets, ces pays vont décider de suspendre l'immigration économique. Cette décision a eu pour effet chez les migrants de provoquer une décision d'installation. Face au risque de ne pas pouvoir revenir ou de ne pas pouvoir se faire remplacer par un jeune du village, notamment, on a des exemples avec le Mali en France, dans la perspective que le village ne puisse pas renvoyer des jeunes pour remplacer les plus anciens pour maintenir le niveau des revenus, eh bien, ces travailleurs vont rester. Ils vont rester et ils vont rester de deux façons. Soit ils vont rester en restant célibataires et en ne créant pas de famille, soit en étant mariés et en laissant leur famille dans le pays d'origine, mais surtout, un mouvement va naître de demande pour que la famille rejoigne le travailleur migrant. Cette demande est à l'origine du droit au regroupement familial des travailleurs migrants. Et c'est à l'origine d'une nouvelle migration importante dans les pays du nord de l'Europe, qui est la migration familiale, et qui aujourd'hui est constitutive des plus gros volumes migratoires dans ces pays. En France, on estime qu'aujourd'hui, 65% des migrations sont des migrations familiales. Alors, si ces migrants ont décidé de s'installer, contraignant, forçant les pays d'accueil à envisager la dimension de leur intégration, notamment au travers du droit au regroupement familial, cela a eu également des effets sur, évidemment, les mouvements migratoires. Ce n'est pas parce que les États du Nord ont décidé de suspendre l'immigration économique que l'immigration économique s'est arrêtée définitivement. Parce que le besoin d'émigrer
à continuer de persister, ne serait-ce que chez les pays du Sud dans lesquels l'émigration est une nécessité pour survivre individuellement, mais aussi pour survivre collectivement. Alors, ces pays d'émigration et les migrants de ces pays ont, à défaut de pouvoir atteindre immédiatement ces pays du Nord dont les frontières étaient désormais fermées, ces pays, ces migrants, ont décidé de diversifier leur parcours et ont décidé de tenter leur entrée dans cette zone européenne par d'autres pays. Et ainsi, on a vu se développer un troisième cercle de pays d'immigration, pardon, qui correspondent aux pays de l'Europe du Sud. Ces pays du pourtour méditerranéen qui étaient des pays d'émigration, à savoir la Grèce, l'Italie et l'Espagne, pardon. Ces pays sont devenus, alors qu'ils n'étaient absolument pas préparés d'un point de vue économique, politique et social, sont devenus des pays d'immigration. Une immigration qui est conçue chez les migrants comme désormais un parcours. C'est-à-dire que la plupart du temps chez ces migrants, ces pays sont une première étape d'un parcours plus long. Parce qu'ils nourrissent l'espoir de pouvoir atteindre un jour des pays du Nord. Et donc, aujourd'hui, en Europe, on estime que on est dans la constitution de ce qu'on appelle un champ migratoire. C'est-à-dire qu'il n'est plus question d'un parcours linéaire et direct entre un pays de départ et un pays de destination, mais d'un parcours plus long, plus diversifié. Ça veut dire que le migrant est devenu un personnage aussi différent. Le migrant qui arrive en Europe aujourd'hui est un personnage multiforme. Il est immigré, migrant, sédentaire temporairement, nomade temporairement. Par ailleurs, et concomitamment à cet élargissement des pays d'immigration dans l'Union européenne, l'Union a également évolué dans l'approche de ses politiques, puisque depuis le traité d'Amsterdam, la politique migratoire est devenue une question qui relève de la compétence de l'Union européenne. Cela signifie que l'Union a l'ambition de construire une politique commune et d'élaborer des règles communes sur cette question qui est une question appréhendée de manière très diverse selon les États membres. Et c'est une question donc pour laquelle on a l'ambition d'avoir une politique commune alors que l'héritage est fort contrasté entre les États membres. Et donc, on mesure et on va mesurer toute la difficulté et toute la fragilité de mettre en œuvre une politique migratoire selon une logique de coordination. Parce que, bien évidemment, vous l'avez compris, l'accueil de ressortissants étrangers demeure une question de la compétence de chaque État membre. Et donc, il ne s'agit pas d'avoir une politique uniforme, mais d'avoir des éléments pour une coordination dans la perspective d'une harmonisation. Alors, quels sont aujourd'hui les éléments caractéristiques du point de vue de la population de la présence des étrangers dans les pays de l'Union européenne.
Les éléments, les statistiques dont je vais vous parler sont des éléments qui concernent les États membres, mais ils sont tirés des statistiques de l'OCDE, c'est-à-dire qu'il y aura toujours ou souvent une comparaison avec d'autres membres de l'OCDE, à savoir les États-Unis, le Canada ou l'Australie. Et c'est à dessein que je vais garder ces références hors Union européenne pour au moins deux raisons. D'abord, parce que, et ça sera à garder en mémoire pour la deuxième conférence, parce que aujourd'hui, étant donné que l'Europe cherche et se cherche en matière de politique migratoire, elle va chercher des modèles d'inspiration en dehors de ses propres frontières. Et bien évidemment, le modèle nord-américain et le modèle canadien ou australien vont pouvoir être des sources d'inspiration. Deuxième raison, puisque dans la deuxième conférence, nous allons parler essentiellement des migrations économiques et donc des migrations de travail. Aujourd'hui, un des éléments clés de compréhension des politiques migratoires économiques réside dans le fait que tous les pays développés ont des besoins de main-d'œuvre. Et ces besoins sont des besoins qui touchent, qui sont des besoins qui ont les mêmes traits, les mêmes caractéristiques. Aux États-Unis, au Canada, comme en France ou en Espagne, les besoins touchent des besoins de main-d'œuvre non qualifiés ou peu qualifiés et des besoins de main-d'œuvre hautement qualifiés. Cela signifie qu'il y a, entre guillemets, une globalisation du marché de l'emploi. Cela veut dire que le système nord-américain est en concurrence avec le système européen et inversement pour attirer dans chacune de ces régions la meilleure main-d'œuvre, la main-d'œuvre la plus qualifiée, etc., etc. Il est donc extrêmement important de ne pas avoir une vision seulement européenne de la question migratoire. Alors, quels sont donc aujourd'hui les traits caractéristiques de la présence des migrants dans les pays de l'OCDE et dans l'Union européenne? D'abord, on constate une stabilisation des flux migratoires dans la plupart des pays de l'OCDE. Sachant que, dans certains de ces pays, depuis le début des années 2000, on enregistre, et singulièrement à partir de 2001-2002, on enregistre une hausse continue des entrées. Ces pays sont la France, l'Irlande, la Suède et l'Espagne. Les principaux pays d'immigration en 2002 sont, dans le monde et dans le CDE en particulier, sont les USA, puis l'Allemagne, puis l'Espagne et l'Italie, le Royaume-Uni et le Japon. L'élément nouveau dans ces statistiques, c'est l'apparition des deux pays de l'Europe du Sud, que sont l'Espagne et l'Italie. C'est une nouveauté qui tient, selon les experts de l'OCDE, d'une part à l'accroissement des flux d'immigration vers ces pays, un accroissement dû à une certaine porosité des frontières dans ces deux pays, et dû au fait que ces deux pays sont au carrefour des migrations de l'Est, de l'Orient et des migrations du Sud. Et d'autre part, cela tient également, selon les experts, à un artifice qui serait dû au programme récent de régularisation, des programmes répétés de régularisation dans ces pays. Ceci étant, il y existe toujours la constante des migrations de proximité. Cette constante est une constante qui se confirme et qui se renforce. Ainsi, les Roumains et les Hongrois vont plutôt en Italie. Les Polonais et les Turcs vont plutôt en Allemagne.
les ressortissants du Maghreb vont plutôt en France. Même si on observe une diversification de ces destinations. Autre constante, c'est celui de la domination des migrations familiales. Aux USA, le regroupement familial demeure le pilier fondateur dans le pôle migratoire. En France, excusez-moi, ce n'est pas 65%, mais 75% des migrations qui sont dues aux migrations familiales. Au Canada, ce sont 64% des migrations qui sont des migrations familiales. Ensuite, en Suisse, 52%, en Autriche, 40%. On constate par contre une immigration familiale faible en Europe du Sud, en Europe centrale, où l'immigration reste d'abord et avant tout une immigration économique. Pour au moins deux raisons. Peut-être que parce que dans ces tout jeunes pays d'immigration, il n'y a pas encore de politique d'accueil stabilisée des familles de migrants. Et puis, peut-être parce que, comme je le disais, la destination ultime des migrants, c'est peut-être plus le nord que le sud. Et par conséquent, on attend d'être dans le nord pour faire venir sa famille. On constate également une augmentation spectaculaire des entrées et des effectifs d'étudiants étrangers. Parce que plusieurs pays de l'OCDE ont mis en œuvre des politiques pour faciliter l'entrée des étudiants. Pourquoi ? Parce qu'on espère que ces étudiants qui suivent des formations supérieures de type universitaire ou ingénieur vont rester sur place et donc on va faciliter le changement de statut d'étudiant à celui de travailleur, ce qui permet d'envisager les résorptions de besoins de main-d'œuvre qualifiée à moyen terme. Et donc, on a mis en place des programmes attractifs, aussi bien aux USA, en Allemagne, en France. Mais également, on voit se mettre en place des programmes d'attraction dans des pays du Sud, comme l'Espagne, ou des pays plus au Nord, comme l'Irlande. Par contre, si l'immigration familiale est très importante, si on constate une augmentation de l'immigration estudiantine, on constate dans les pays de l'OCDE une baisse, ou en tout cas une stagnation de la migration politique, de la migration humanitaire. En effet, on constate depuis 2003 une tendance renversée. Après une augmentation continue jusqu'en 2003, il existe une chute de l'accueil des demandeurs d'asile dans les pays de l'OCDE. Pour plusieurs raisons. Parce que dans ces pays, il s'est produit une sorte de déplacement du motif migratoire. Chacun sait que, suite à la fermeture des migrations pour raisons économiques, des migrants ont cherché, bien sûr, à pénétrer dans ces pays pour d'autres raisons, et notamment pour des raisons politiques. Et loin de moi l'idée de penser qu'il y a là une déviation du système, ou loin de moi de penser que ces migrants ont menti en se référant à un motif politique. Non, parce qu'en réalité, et ça je ne l'ai pas dit, mais dans ces pays du Sud, souvent les motifs sont mixés, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des raisons économiques, mais aussi des raisons humanitaires et politiques qui coexistent, qui cohabitent avec des difficultés et des motifs économiques. Et par conséquent, ces migrants ont opté pour la demande d'asile politique ou d'asile humanitaire face à une fermeture des frontières. Face à cela, les États d'accueil ont pris des décisions drastiques. D'une part, d'être extrêmement rigoureux dans le traitement des dossiers de demande d'asile, mais surtout, ces dernières années,
en accélérant les procédures d'examen des demandes d'asile, ce qui a pour effet immédiat de réduire le nombre des demandes d'asile parce qu'il faut du temps pour constituer un dossier de demande d'asile, premièrement. Et deuxième effet, en accélérant les procédures et l'examen des dossiers, évidemment, on dit plus facilement non que oui. Ensuite, dans certains pays, on a également limité ou retiré certains bénéfices sociaux aux demandeurs d'asile. Par exemple, en France, les demandeurs d'asile avaient, jusqu'au début des années 90, le droit d'accéder librement au marché du travail, sans autorisation administrative. Depuis 1990, les migrants politiques ne peuvent plus accéder librement au marché du travail. Pour pouvoir subvenir à leurs besoins, on leur procure une assistance financière, qui est une assistance financière largement en dessous de ce qui est nécessaire pour subvenir aux besoins vitaux, minima. Ce qui implique d'ailleurs le recours au travail clandestin, tout simplement pour survivre ou pour avoir une vie digne dans ce pays. Bref, il y a eu donc un resserrement des politiques d'accueil des demandeurs d'asile qui, aujourd'hui, se traduit par une baisse des demandes d'asile dans tous les pays de l'OCDE. Quels sont les éléments dont nous disposons sur la présence de la population étrangère et immigrée dans les pays de l'OCDE? Alors évidemment, l'importance de la population étrangère varie fortement d'un pays à l'autre. Au Canada, 23% de la population totale est une population d'immigrés. En Australie, elle représente 19,5% de la population totale. Aux USA, 12,3% de la population totale. Au Luxembourg, qui bat les records, la population migrante représente 36,9% de la population totale. Et puis, dans les grands pays de l'Union européenne, les chiffres sont moins importants. Au Royaume-Uni, la population migrante représente 4,4% de la population totale. En Allemagne, 8,9%. En France, 5,6%. En Espagne, 3,8%. Et dans les autres pays du Sud, on est entre 3 et 1%. Mais la population immigrée s'accroît globalement, malgré tout, dans la plupart des pays de l'OCDE. Les migrations stimulent la dynamique démographique. Les migrations jouent en effet un rôle important dans la croissance annuelle de la population. Et donc, la présence d'une population étrangère ou immigrée est un facteur positif parce qu'elle participe à l'accroissement naturel de la population, notamment si on observe les taux de fécondité et qu'on compare les taux de fécondité entre populations d'origine étrangère et populations locales. Depuis les années 60, l'accroissement naturel et le solde migratoire ont suivi des évolutions opposées, donnant aux migrations internationales un poids croissant dans la dynamique démographique. Et donc, dans tous les pays de l'Union européenne, sauf en France, la migration a contribué positivement à l'évolution de la population. Dans certains pays, la population totale baisserait s'il n'y avait pas d'immigration. C'est le cas en Allemagne depuis 1972. C'est le cas en Italie depuis 1993. C'est le cas en Suède depuis 1997.
Voyons maintenant quels sont les éléments dont nous disposons sur la présence des immigrés relativement au marché du travail. La situation des étrangers et des immigrés sur le marché du travail dans les pays de l'OCDE doit être mise en relation avec l'emploi dans ces pays plus globalement. Dans ces pays, on a constaté une croissance globale de l'emploi depuis les années, depuis 2000. Sachant que certains pays de l'OCDE connaissent depuis 2003 une légère baisse de l'emploi global. La force de travail étrangère et immigrée progresse dans la plupart des pays de l'OCDE. Ils représentent une part importante de la force de travail. Ainsi, ils représentent 15 à 25% de la population active au Canada, aux USA, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Au Luxembourg, qui est un État membre de l'Union européenne, la population migrée représente 45% de la population active. En Suisse, il représente 21,9% de la population active. En Allemagne, 9%. En Autriche, 9,2%. Bref, entre 1998 et 2003, la population active étrangère s'est accrue dans la majorité des pays de l'OCDE. L'augmentation est spectaculaire dans les pays d'Europe du Sud, c'est-à-dire en Espagne, en Italie, en Grèce et au Portugal. Mais elle est également spectaculaire et importante dans d'autres pays tels que les USA ou le Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, ces dernières années, on constate une augmentation de la population étrangère active de plus de 32% entre 1998 et 2003. Dans d'autres pays, on observe une stagnation de la présence des migrants sur la population active. Les migrants stagnent ou régressent en Belgique, en France, en Autriche, au Danemark. Et pourtant, chaque année, dans chacun de ces pays, sur le marché du travail, on observe une absorption directe ou indirecte des travailleurs étrangers qui continue progressivement d'augmenter. Mais ceci s'explique par le fait qu'il y a évidemment des départs de cette population active migrée du marché du travail, parce que cette population vieillit et que nombre de migrants, pour des raisons économiques, en France par exemple, arrivés au début des années 60, aujourd'hui atteint l'âge de la retraite et donc quittent le marché du travail, ou bien ayant été touchés par des licenciements collectifs massifs et n'ayant pas pu reprendre le travail suite à la crise économique, soit la plupart du temps ont pu repartir au travers de programmes d'aide au retour dans leur pays d'origine. Néanmoins, le taux d'activité des étrangers reste en général inférieur à celui des nationaux. Ce taux, cette différence, est très marquée au Danemark, dont on vante beaucoup aujourd'hui le modèle social, mais on oublie de dire que c'est un modèle social à destination des nationaux, et non pas de tous, aux Pays-Bas, en Suède, en Belgique. Alors que dans les pays d'immigration récente, c'est-à-dire dans les pays du pourtour méditerranéen, de l'Europe du Sud, là, on constate que le taux d'activité des migrants peut être supérieur ou en tout cas égal au taux d'activité des autochtones. On constate globalement également que le taux d'activité des femmes
de migrants, des femmes étrangères, est proportionnellement moins important, inférieur au taux d'activité des femmes autochtones. L'écart peut être important et peut dépasser les 10% dans certains pays comme l'Allemagne, la Belgique, la France, les Pays-Bas et la Suède, alors que des programmes et des politiques publiques en faveur de l'insertion des femmes migrantes ont été mises en place. Ceci étant, cet écart de 10% est un écart qui tente aujourd'hui à diminuer. Bien sûr, il existe plusieurs motifs qui expliquent le taux d'activité des étrangers globalement inférieur ou le taux d'activité des femmes étrangères inférieur. Il existe plusieurs motifs. Alors, comme le temps passe, on va peut-être évoquer ces motifs-là. D'accord, ok. Les motifs qui expliquent ces écarts tiennent évidemment au fait que jusqu'à récemment, ces migrants étaient des migrants peu qualifiés, concentrés dans certains secteurs d'activité. La construction, l'hôtellerie, la restauration, des secteurs d'activité qui sont des secteurs d'activité les plus touchés par la crise économique. Et donc des secteurs d'activité qui sont les plus soumis à des plans de licenciement collectif auxquels n'échappent pas les migrants économiques. Au contraire, ils font certainement partie des premières personnes qui sont licenciées. Et donc, il y a certainement comme variable explicative le niveau de qualification. Comme autre variable explicative, il y a certainement le niveau d'éducation et le niveau des diplômes. Mais là, l'OCDE a réalisé des études tout à fait intéressantes qui montrent que le diplôme n'est pas en soi une variable suffisante pour expliquer la différence des taux d'activité. Puisque on a constaté que dans un pays comme le Canada, où l'accueil des étrangers se fait surtout en direction des étrangers qui possèdent un potentiel du point de vue professionnel, potentiel parce qu'ils ont des niveaux de qualification et des diplômes supérieurs, dans ce pays-là, on constate que 65% des travailleurs migrants, un an après avoir acquis une activité professionnelle, n'ont pas l'activité qu'ils avaient dans le pays d'origine, n'ont pas réussi à avoir un emploi comparable à celui qu'ils avaient dans le pays d'origine et cherchent donc à obtenir un emploi qui équivaut à leur niveau de qualification. Ça veut dire que si on réfléchit en termes de sélection des migrants, mais aussi en termes de politique d'intégration, la possession du diplôme n'est pas suffisante en soi. Il faut également peut-être mener une réflexion sur la reconnaissance des équivalences. Et là, on touche à une autre compétence sacro-sainte des États membres, c'est-à-dire une compétence des institutions que sont nos ministères d'éducation nationale, mais aussi à des chasses gardées sectorielles, puisque les équivalences de diplômes d'expérience professionnelle, dans la plupart des pays européens, se fait par voie de convention collective, et donc par voie de négociation collective. Et là, on touche à d'autres éléments plus complexes, puisque pour négocier collectivement et avoir des accords collectifs qui reconnaissent des équivalences de diplômes, il faut à la fois que les organisations d'employeurs et les organisations syndicales acceptent la concurrence entre des diplômes et des expériences professionnelles nationales et des diplômes et des expériences professionnelles étrangères. Et ceci n'est pas gagné d'avance, loin s'en faut. Et puis, autre variable explicative des différences dans les taux d'activité, on s'est posé la question de la variable de la durée du séjour. Est-ce que
avec une durée plus longue de séjour, le migrant a la possibilité d'être mieux intégré et d'avoir un taux d'activité qui se rapproche du national. Et là, nous avons l'exemple terrible et terrifiant de la France et d'autres pays comme la France, où nous expérimentons des différences d'écart de taux d'activité entre la deuxième génération des migrants et des nationaux. Puisque le chômage atteint plus fortement et très fortement à la fois les jeunes, deuxième génération, voire troisième génération de migrants, le chômage atteint plus fortement les femmes, et les femmes selon les pays d'origine ou les régions d'origine, et là vient s'ajouter une variable socioculturelle, ainsi que la variable sociodémographique, c'est-à-dire la structure de la famille. Plus les familles sont nombreuses et moins les femmes ont le temps et la capacité de travailler. Et le chômage atteint très fortement, et les écarts sont donc, les taux d'activité sont très forts s'agissant de la population plus âgée des migrants. C'est-à-dire que plus un migrant est âgé, moins il a de chances d'avoir un emploi. Et là encore, la France et les pays du Nord qui ont l'expérience d'une migration plus ancienne sont confrontés au chômage des migrants qui ont 50 ans et plus. Sachant que les migrants quittent plus tardivement le marché du travail que les nationaux, pour une raison assez simple, qui est une raison économique. Ils sont arrivés plus tard et ont commencé à travailler plus tard, et donc pour pouvoir accéder à la retraite ou pour pouvoir accéder aux minima sociaux, eh bien, ils sont obligés d'aller jusqu'au maximum des possibilités de travail et donc de rester plus longtemps en activité que les nationaux. Bref, nous allons peut-être nous arrêter là pour cette première conférence. Ce qu'il faut retenir, c'est donc, vous voyez, des différences extrêmes entre les pays, les États membres de l'Union européenne, du fait de l'histoire des migrations dans chacun de ces pays, du fait des niveaux de développement économique différents de ces pays, puisque jusqu'à une époque récente, les ressortissants d'États membres du Sud migraient vers les États membres du Nord. Et du fait que l'Union européenne s'est élargie, et beaucoup élargie, très récemment. On est passé de moins de 10 à plus de 25 en moins de 10-15 ans. Donc, on a des vieux pays d'immigration, des jeunes pays d'immigration, et des pays qui sont aujourd'hui des pays de transit. C'est-à-dire des pays dans lesquels, au moins à court et moyen terme, les migrants ne vont pas rester, mais sont là parce que ces pays sont les portes d'entrée dans l'espace Schengen, dans l'Union européenne. Et donc ces pays de transit ont en plus à gérer, en plus de la question de l'accueil et de l'intégration, ils ont à gérer le contrôle de l'immigration aux frontières de l'Union européenne. Je vous remercie. Muy bien. Como vamos bastante ajustados de tiempo, bueno, vamos a dar 15 minutos porque tiene que atender algunas a los periodistas y demás, pero bueno, a las 12:30 retomaríamos otra vez la segunda lección. Vale, gracias. Ay, me faudrait quelque chose.